you want for you, na 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 na. Réagir à vos opinions impopulaires. C'est en fait une vidéo que Yanissa a fait sur sa chaîne. Elle s'est dit bon, je vais réagir en fait aux opinions impopulaires de mes abonnés. Et ça, je trouvais ça cool. Ouais. Copier grave sur elle, désolée Yanissa. Je suis honnête, hein, je dis de qui je m'inspire et clairement je trouvais ça trop cool. Du coup je vous ai posé la question sur Instagram, quelles étaient vos opinions impopulaires? Ceux et celles qui ne savent pas trop ce que c'est en gros, tes opinions impopulaires, c'est les opinions que t'as qui diffèrent des autres en fait. Et quand j'ai lu certains trucs, j'étais morte de rire, mais il y a des trucs par contre, c'est... Tu peux même pas oser l'écrire, quoi. Genre, il y en a une, elle a parlé de quelqu'un en particulier en disant que c'était surcoté. Mon cœur, il a fait... Mon cœur, il est sorti comme ça, là. J'ai dû la rattraper au vol. Mon corps, il a pris ses valises, il s'est barré, tu vois. J'ai fait, mais... Ah, tu peux pas et tout. Donc, allez, c'est parti pour vos opinions impopulaires. On y va. L'avocat, je trouve ça gras en bouche, je comprends pas cet engouement. Alors en fait, sur tout ce qui est bouffe, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de populaire opinion, parce que bah, les goûts et les couleurs sur la bouffe, sur les... Voilà, c'est propre à chacun. Après, c'est vrai que dans le fond, moi j'adore l'avocat, mais dans le fond, quand tu manges un avocat juste comme ça, si tu mets pas, genre par exemple comme moi, le saumon, l'œuf poché, le toast et tout, en soi l'avocat tout seul, si tu l'assaisonnes pas, c'est vrai que c'est un vieux goût gras, c'est clair, et en même temps c'est d'ailleurs de ça dont je me sers souvent l'avocat pour faire des masques pour mes cheveux et tout, c'est vraiment hyper gras. Bref, l'avocat, ouais, ok, il y a un engouement tout simplement parce que je pense qu'il y a eu un délire sur le côté healthy, machin, parce que en termes d'oligo-éléments, c'est hyper, hyper intéressant. Mais oui, après, c'est un engouement qui est un petit peu excessif, mais il y a toujours des modes, hein. Vous avez vu comme il y a toujours des modes, à un moment donné c'était le saumon, là c'est l'avocat, à un moment donné il y a la mode des verrines, on voyait des verrines partout. Donc là encore, bon, là ça passe, on va dire, c'est ton goût personnel, donc là je peux comprendre. Je trouve Beyoncé surcotée. Voilà. Tout à l'heure j'ai dit là il y a mon cœur, il est parti, là mon cœur il s'est barré, il m'a pas respecté, c'est cassé, je te jure. Beyoncé surcotée. Déjà comment tu peux me dire ça à moi? Beyoncé c'est ma chanteuse préférée, tu vois. Et comment on peut ne pas aimer Beyoncé? En fait, même j'y sais, mon conjoint il déteste Beyoncé, il trouve qu'elle est vulgaire, qu'elle est too much. Et le pire c'est quand un jour il m'a dit elle chante pas bien, j'ai cru que j'allais le prendre comme ça et le faire rouler jusque chez sa mère. J'ai dit ah, Beyoncé elle est surcotée, Beyoncé c'est la vie, Beyoncé c'est... Même Rihanna et tout, là, toutes ces chanteuses là, qui arrivent après, elles s'inspirent de Beyoncé, c'est tout. Beyoncé, c'est tout. Elle chante bien, elle a quand même une voix de malade. On peut pas dire genre elle est belge, elle est juste belle. Non, elle a une putain de voix. C'est quand même une sacrée beauté. Elle est charismatique, elle danse, elle te met le feu aux fesses. C'est Beyoncé que j'ai... Comment on peut... Toute chanson qu'elle sort, c'est la bombe. Toute chanson qu'elle sort, ça me donne envie de me trémousser. J'ai l'impression d'être sexy quand j'entends sa musique. J'ai l'impression d'être canon. Je suis sexy et canon. quand je suis allée la voir en concert, enfin, elle m'en aime plein la tête. Elle fait pas de playback. C'est une beauté. Ah, puis c'est perruque, quoi. Le détail, c'est perruque. Non, bien sûr, on peut pas. Louis de Funès ne m'a jamais fait rire, ses films sont... Alors j'ai pas la suite parce que j'avais fait des copies écran, mais je pense que tu veux dire que ses films sont pas drôles. Louis de Funès, c'est pour moi... quand même un grand comédien. Il est hyper important dans tout ce qui est cinéma français. Maintenant je peux comprendre qu'on soit pas sensible à cet humour là parce que l'humour de ces époques là il était différent de celui d'aujourd'hui. Je sais pas quel âge tu as Onali, mais je peux comprendre qu'on soit pas forcément sensible à cet humour là. Moi je trouve, enfin moi il m'a fait rire, il me fait rire parce que je trouve qu'il a un jeu d'acteur assez impressionnant. Je trouve que alors je sais pas s'il a joué dans des rôles un peu plus tristes. Moi j'aime beaucoup voir des comiques jouer dans des rôles un peu dramatiques. Par exemple Jean Dujardin est hyper fort dans ses rôles un peu plus dramatiques, mais Michael Youn aussi. Et je n'ai jamais vu Louis de Funès dans un autre rôle que le comique, voilà. Après je pense que c'était l'humour du moment, c'était une tendance du moment. Clairement aujourd'hui si tu mets un mec, je sais pas, un acteur qui a la mode aujourd'hui qui fait du Louis de Funès, on rigolera pas. Mais pour l'époque c'était vachement bien. Je n'aime pas le nouvel an, il fait froid, humide et faire la fête sur commande c'est naze. Alors si j'avais, enfin, si j'avais répondu à cette question, enfin à cette unpopular opinion à 20 ans, je t'aurais dit quoi? Moi à 20 ans, je te jure, je prévoyais genre au moins un mois, deux mois avant la soirée parce que c'était genre naze de rien faire au nouvel an, c'était trop la honte de pas être invitée. J'étais là, j'essayais de squatter partout à tout prix, je voulais trop me caser quelque part en fait. Je me disais ah là là, si je fais rien au nouvel an, c'est trop la honte, je vais être devant Arthur et tout. Vous voyez de quoi je parle? Et en fait aujourd'hui à on va dire
32 ans et demi, ouais, à mon âge en tout cas, je m'en tape de pas faire nouvel an. C'est passé en fait, cette espèce de lubie de devoir absolument faire la fête, absolument se bourrer la gueule au nouvel an. Là, même les gens qui m'entourent, on est tous un peu pareil, genre nouvel an, autant Noël, ouais, mais nouvel an, genre même avant minuit, on a du mal à galérer. Moi, tu sais, moi, chaque année, là, maintenant, nouvel an, je suis là, je regarde ma montre, je dis, putain, il reste encore 20 minutes à attendre que je suis KO, et ça m'intéresse pas forcément de faire la fête. Si j'ai l'occasion que je suis invitée chez des amis, oui, mais de toute façon, je sais très bien que quand je vais être invitée, ça va être genre, on fait un repas, un truc comme ça, ça va être calme, ça va être tranquille, ça va être en mode la chenille qui redémarre, en mode de cotillon, et claque sur le cul, tu vois. J'ai passé ce cap-là, donc moi, au fait, effectivement, je sais pas l'âge que tu as, mais pour moi, le nouvel an, c'est pas non plus un truc de ouf. Après, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, parce qu'ils sont jamais invités, ils sont toujours tout seuls, mais c'est encore autre chose. J'ai jamais regardé Casa del Papel. Ça, c'est pas une populaire opinion, ça, c'est après, c'est un choix. Par contre, Casa del Papel, moi, j'adore. On en a encore regardé deux épisodes de la partie 2 hier. Je suis fan, je trouve que c'est très bien orchestré, je trouve que c'est super bien écrit. Il y a une actrice qui me casse la tête là, j'aime pas Tokyo. Je suis la seule à pas aimer Tokyo. C'est la narratrice et tout, mais je l'aime pas, je sais pas, elle m'énerve à faire ça. Elle fait son boy là, j'aime pas. Elle se prend pour Action Man, la meuf, là, je déteste cette meuf. Mais par contre, moi, j'adore Denver. Miss France, ces filles nous représentent en rien et je trouve ce concours dégradant. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, je suis assez d'accord dans l'idée que les nanas, elles ne représentent absolument pas la française moyenne, personne s'y retrouve, etc. Mais il y a toujours le côté un peu féerie, toujours un petit peu princesse, le côté un peu robe, et du coup, je regarde quasi chaque année, même si le concept est un peu naze, en fait, de juger sur un simple corps. Et les idées de... En fait, les concours de beauté, c'est obsolète. Les concours de beauté, c'est débile, en fait. Maintenant, c'est plus comme avant où les mannequins, elles étaient toutes filiformes, toutes machin, toutes... Là, maintenant, il y a de la beauté, il y a du mannequinat dans un peu tout. Et en fait, je suis d'accord, ces filles ne nous représentent pas. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est non plus les gens qui sont tout le temps en train de dégueuler sur ces filles-là. Je voyais des trucs sur les réseaux le jour de Miss France. Les gens, ils sont abusés, quoi. Ils disaient, ouais, elle a pas de sein, t'as vu comment elle est. Et ils comparaient, genre, des nanas avec des personnages de dessins animés, vraiment pour se foutre d'eux. Enfin, à un moment donné, non. Enfin, n'allez pas dire que Miss France, c'est pas représentatif et que Miss France, c'est pas cool et tout. Si derrière, vous allez dégueuler sur les filles en disant qu'elles sont dégueulasses. Non, ces filles-là, elles ont quand même du mérite, elles ont bossé pour arriver là. Et c'est pas parce qu'elles sont minces, justement, qu'on doit forcément les entasser. Ou c'est pas parce qu'elles sont blondes qu'elles sont débiles. Et j'aime pas, en fait, le concept, c'est que le pire, c'est que ça nous rend tous méchants. Ce concours, enfin, je sais pas comment vous êtes, vous, quand vous regardez Miss France, dites-moi. Mais même moi, des fois, je me surprends à faire des commentaires. Et à chaque fois, je me reprends en me disant, vas-y, Wendy, t'es qui là? Parce que, genre, je vais en voir en passer une, puis je vais faire, ah non, moche. Hey, je suis qui pour dire ça? Alors que dans la rue, je la trouverais jolie. J'aime pas, en fait, on est là à juger des beautés. Et les meufs, elles sont juste élues parce qu'elles sont belles. Parce que vous me faites pas croire que c'est le discours qui fait, on est d'accord. Mais. Ouais, c'est dégradant. Harry Potter, c'est naze. Par contre, là, non. Là, on va se fâcher. Je suis pas quelqu'un qui aime trop les trilogies, machin. Par contre, j'adore tout ce qui est un peu univers héroïne. Oh putain, j'ai eu du mal. Fantasy, tout simplement. Et Harry Potter, j'ai adoré. Et franchement, non, on peut pas dire que c'est naze. On peut dire, à la limite, c'est pas trop mon délire, mais dis pas c'est naze, je vais te taper. Disney, je déteste tous les Disney, les chansons et Disneyland. Cette meuf, je te jure, je vais la bloquer. Je vais la bloquer. Et par contre, c'est pas possible de pas aimer Disney. Comment on peut ne pas aimer Disney? C'est tellement... Moi, Disney, c'est ma vie. Je chante tout le temps. Déjà, de base, je suis chiante. Du matin au soir, je chante. Je suis la meuf qui te casse la tête. Alors, pas le matin quand je me réveille. Hein. Quand je me réveille, faut même pas me parler, sinon je te jure, je te tape. Mais sinon, après, je suis là... Je chante tout le temps. Et souvent, je chante du Disney, par exemple, à mon fils. Je connais tous les Disney par cœur. Je suis une dingue de Disney. Je suis pas allée souvent à Disneyland, mais par contre, Disney, c'est la vie, quoi. Je trouve qu'il y a toujours des satires, il y a toujours des messages. Puis c'est féerique, moi, ça me fait rêver. C'est toujours joli. Ouais, c'est gnangnang. J'ai 2 ans quand je regarde Disney. Ça a toujours cette vocation de me réconforter, de m'apaiser. Ouais, on critique pas Disney, vous êtes fous, quoi. Moi, j'aime pas l'été, j'aime pas la chaleur, j'aime l'automne. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aime pas trop. En fait, c'est pas que j'aime pas l'été, parce que j'aime bien le fait que les journées sont longues, les barbecues, les soirées entre potes. Tu vois, t'as pas remarqué que l'été, on est de bonne humeur en fait. Par contre, j'aime pas la chaleur non plus, j'aime pas le soleil. Les gens, des fois, ils sont là, ouais, il fait bon, on va sortir. Il fait bon quoi, il fait 35, on va transpirer et tout. J'ai horreur de ça. Donc, j'aime pas la chaleur non plus. Après, l'automne, j'aime aussi beaucoup, beaucoup. C'est ma saison préférée, donc là, je suis assez d'accord avec toi. Aya Nakamura. Disney, les baskets, Fila, Twitter, les Kardashian, j'en ai tellement en fait. Je suis d'accord. Et pourquoi les gens ils sont à fond comme ça là? Et la meuf elle est pas vulgaire. Elle est vulgaire de fou. Qui la plus bonne de tes copines? De tes copines, bonne de tes copines. C'est quoi ça? Si tu veux pas. Qui a le plus gros cul de tes copines? Et les gros seins aussi. Non. Non.
Non, non, ça, moi, je déteste. Je déteste. Tu sais, les nanas qui sont à la mode comme ça, elle va sortir un. En fait, c'est pas pour être méchante. Elle va sortir un CD. Oui, Wendy, on sort plus de CD en 2018. Elle va sortir genre un album. Et après, on n'entendra plus parler d'elle. Après, elle va faire quoi? Elle va jouer dans une série sur YouTube, quoi. Genre Capucine à au secours, quoi. Mais non, cette fille-là, j'ai rien. En fait, contre elle, ni rien, mais je trouve que c'est vulgose. Et je trouve qu'il n'y a rien de particulier à cette chanson. Ah non, non, c'est bon. Une espèce de mode comme ça. C'est comme le mec qui a chanté la bazardée, la ba, da, da, zardée. Eh, stop, les chansons où on répète 50 fois la même chose. Je sais pas, essayer d'écrire, peut-être au lieu de répéter la même chose, vous nous avez saoulé. Je n'aime pas les sushis, Starbucks c'est cher et pas bon. Alors les sushis c'est pareil, goût couleur, vous savez ce que j'en pense, Starbucks c'est cher et pas bon. Oui, Starbucks c'est grave cher. En fait j'aime bien Starbucks, quand je vais à Paris je vais m'en prendre un, et encore si j'en prends pas c'est pas grave. Mais je comprends pas cet engouement en fait, je comprends pas l'engouement avec Starbucks. C'est bon, ouais, moi quand je peux me boire un petit café au Starbucks je le bois, mais à chaque fois je me fais la même réflexion, je me dis putain c'est cher. Je n'aime pas les youtubeuses connues. Ah ça je trouve ça débile, t'aimes pas juste une youtubeuse parce qu'elle est connue. C'est con, non? Genre, t'as combien d'abonnés? 600 000? Ah, je ne t'aime pas. Toi, t'en as combien? 20 000? Ah, je te kiffe. C'est débile. On comprend. Enfin, je sais pas si c'est ça que t'as voulu dire, mais si c'est ça. Si, genre, c'est un critère parce que la nana, elle est connue, tu l'aimes pas, ça veut dire que t'es jalouse en fait. Voilà, c'est tout. Qui est la plus bonne, bonne, bonne de tes copines? De tes copines? Bonne de tes copines? Ah, putain, ils m'ont foutu dans la tête en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quel est, toi, ton non populaire opinion? Je te laisse répondre en commentaire, mettre un petit like si t'as aimé la vidéo. Et je te dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye! C'est bizarre ça. Ouais, arrête.